Je vais montrer comment je réserve des films pour le Festival des films de Muret. Pour cela, je cherche l'option film et je trouve l'ensemble des films ici classés par catégorie jeune public ou par jour de projection. Films du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Avec le sac du festival pour tout mettre. Sac du festival qui m'intéresse et que je vais prendre avec un soutien à 10 euros. Je clique sur le sac du festival, je continue mes achats et vous avez en haut à droite mon panier qui augmente d'un article. Par la suite, je vais prendre par exemple Maya, un film pour mes enfants. Je vérifie bien si le film convient. C'est bien le dimanche 18 à 11h, avec un film réalisé par Gilles de Maistre. Je peux voir aussi la bande-annonce de Maya. Ce film me convient, je l'ajoute à mon panier. Je peux choisir d'autres films. Le récapitulatif est présent à chaque fin de page. Notamment, je suis intéressé par Les confins du monde. Je vérifie bien si Les confins du monde correspondent bien à ce que j'attends pour le vendredi soir. Je vérifie la bande-annonce qui me parvient parfaitement, qui me convient parfaitement, pardon. Et par la suite, je choisis Les confins du monde. Mais je suis intéressé par les films en présence d'invités. Je vais cliquer sur Invités. Donc, je vais prendre ici le film La dernière folie de Claire Darling. Je reviens sur Invités. Maya aura un invité en cliquant sur l'image. Je choisis le film Maya. Je choisis Cybelle puisqu'il y aura un invité qui sera les réalisateurs de Cybelle. Je vais choisir Seul à mon mariage en présence de la réalisatrice. Et Les confins du monde, j'ai déjà choisi. Je vais prendre continuer. En présence des producteurs, Sylvie Piala et Benoît Quesnon. Je regarde également un autre film en présence d'invités. Tout ce qu'il reste de la Révolution. En présence de la réalisatrice. Donc, je vais choisir ce film-là que j'ajoute à mon panier. Mon panier, maintenant, présente les films que j'ai choisis. Il y a 9 articles. Je vais choisir 2 films de plus. Pour profiter du pass 10, par exemple. Donc,
que je reviens sur film, de film que je n'ai pas choisi. Bien, je vais prendre L'Étau, un très beau film russe. Et je vais prendre Double vie avec Juliette Binoche, un film d'Assayas. Je vais passer. Voilà, je vais passer au paiement. Je regarde si tout est correct. Pour profiter du pass 10, j'ai un code de réduction qui est pass 10 que j'inscris ici. J'ai bien profité des 13 euros de réduction du pass 10. Je passe à l'étape suivante. Je donne, je remplis, bien entendu, l'aimant. Je mets le bon numéro de téléphone. Et je passe au champ suivant avec, par exemple, un paiement par chèque. Voilà, j'ai l'ensemble de ces films. J'accepte et je vais cliquer là-dessus pour valider la commande. Bien entendu, il faut que j'accepte pour valider la commande. Et en cliquant là-dessus, ma commande sera totalement validée.